en direct déjà, non plus c'est mon adresse, non plus c'est mon numéro de téléphone, car pour boyer banako les cato pebo mais kako contacter monsieur Rosaramala Mingi. Donc toi maman, ensemble on a eu en tout cas tout le temps développé tellement quoi très très important. On a ici banéga, on a ici bandeko plutôt dans la début émission. J'allais j'avais bien voulu que tout dobela sur le quoi l'éjaculation précoce parce que les lois toujours comprendre pas vraiment surtout ma définition ndenge na ndenge mais l'obéli ndenge na ndenge mais limboli ndenge na ndenge voilà pourquoi tonga ki bongo to yeba par définition c'est quoi l'éjaculation précoce. OK, merci Mingi maman Noëlla. Oui. Na profiter pour na pesa bande ko ba sur na biso. Bavé, il oui. Y a bonne année Oyo, donc il y a fin de l'année et puis il y a début au courant de 2018. Oui. Donc nous avons besoin quoi. Okay. Donc pour nous répondre à la question Nayo, na koloba ki éjaculation précoce, ezali aujourd'hui peut-être dans ma mission on a passé dans loba ki ngoza anomalie moko ya timing, ya rapport sexuel. Mais la ndingi toujours ki ndelelo, il y a pas une définition formelle. Vous comprendre concernant l'éjaculation précoce. Mais je dirais, pour nous donner autre chose pour le moment, l'éjaculation précoce, c'est l'anomalie de la volonté, du rapport sexuel. En son temps, on a parlé d'une anomalie de timing, c'est-à-dire, ce que les kisses émissions ont été ça peut-être l'année passée, ou comme la grande heure, il y a 20 minutes, Azali éjaculateur précoce, on se comprendre. Mais les lots Oyo, je crois qu'ils ont une définition qui est revue. Oui. Donc, le sexologue, qui n'a pas colloque, n'a pas de colloque, non, les lots, ils ont une importance, ils ont la capacité à contrôler l'éjaculation. Donc, moi, je suis Oyo, à ce moment-là, dans la TV, dans la radio, dans la ministre Oyo, Oyo, Azali en mesure de contrôler l'éjaculation, Azali éjaculateur précoce. Voilà une définition, on peut couper ça de manière classique pour nous compliquer ben des côtés. Oui, docteur Marmon, donc moutou ou azo ça la fête n'a été rapport sexuel n'a été azo pour éjaculer n'a tant ou yo. Donc en dehors il y a consentement n'a été donc à éjaculer après à regretter à éjaculer au moment où y est moko donc azo vraiment sûreté le pas sûr de lui-même de ce qu'il vient de faire et azo éjaculateur précoce c'est ce qu'on peut retenir. Je dirais maman Noëlla en quelque sorte oui. Pourquoi? Parce que, je vous ai dit ici, c'est une anomalie de la volonté. Okay. Vous comprenez ça? Absence, il y a consentement. Vous allez, éjaculation contraignante, éjaculation non voulue, éjaculation regrettable. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous baillez, vous regrettez, mais il fallait bien à continuer. Oui, oui. Parce que les rapports sexuels, il y a des étapes. Vous comprenez? Il y a l'excitation, il y a les plaisirs, et puis il y a l'orgasme. Le plaisir, là, il doit être continuel, il doit quand même traîner avant d'atteindre l'orgasme. Vous comprenez? Oui, oui. Il y a des gens qui le font, balobaka, ou kikoko, sanayo, je dirais, mémoire nayo, mais conscience nayo, au coco, c'est un côté. Oui, oui. À combien plus forte raison, yo moko déjà mon bali, aux autres regretter. Bon, moi, si au bosan en ambetou, à quoi regretter, nini, aux autres comprendre. Donc, c'est pourquoi, quand tu éjacules et que tu regrettes, tu comprends. Donc, aujourd'hui, il est possible que mon toit, ça la 20 minutes, à ça la même 22, à ça la même 30, à ça la même 12, c'est ça qui est moko. Donc, qui pour ça la journée, mon bimbo, aux ans, moi, si nayo, aux autres, ça la rapport sexuel, malamou, nemo lingi, sans même coûte ou éjaculer aussi. C'est pédicié, ou qui n'a pas 4 orgasmes, 5 orgasmes dans le barango, yozali nango. Surtout, madame Olingi, n'a bimisa. Donc, elle dit oui, et puis, au bimisi nayo, il est possible de l'on a ba mécanisme, ou toi nango, va donner tout le même na Kinshasa na biso, tout pis sa moutou capacité. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur Maman Koko Koloba. En tout cas, c'est comme si c'est facile, hein, mais pour les autres, et puis, Batébili, je peux dire, nombre à Batébili, ils ont vraiment, ils ont facilité, hein. Contrôler l'éjaculation, oui, on peut contrôler, mais demander à l'autre que non, je peux. Les autres me disent que non, tant à tout, je peux. Et ouais. Bimi. Ouais. Vous voyez? Oui, maman, nous avons quatre autres, nous avons un mingi mingi awa, qui est sexe et sport. Tu comprends, mon tour face à la professionnelle, les amours, ou y a yébi, ou sala yango, ou y a sala yango, mini, ou asa coaché, asa coaché, n'a pas entraîné, n'a pas entraîné à sexe, n'a pas entraîné à sexe, c'est ça, biso, ou y a des sexologues, tu comprends, nous sommes là pour aider les gens, pour donner les principes des bases, comment ça se passe, comment on doit gérer, contrôler, et puis maîtriser son érection et son éjaculation, c'est possible, voilà. Voilà, maintenant nous sommes convaincus. Merci beaucoup, docteur Mamou, et docteur Mamou, pouvez-vous
pouvez-vous vraiment nous expliquer comment un homme parvient-il à éjaculer? Parce que son zone bien dans l'émission, le docteur maman avait dit que éjaculation, ça commence par la tête. Ouais. Donc, expliquer que ce n'est pas la tête, c'est un mécanisme, mais il faut travailler jusqu'à ce qu'il a dégagé. Ok, merci. Une question beaucoup malade. Pour peut-être nous un peu trop scientifique pour nous expliquer la physiologie, en fait, physiopathologie à éjaculation précoce, quoi, en fait. Mais là, on a une éjaculation normale. L'éjaculation a trois parties. Ouais. Pour se comprendre, la première partie, c'est celle que tu viens de me rappeler, au Naloban de la mission passée Nanga, qui est tout part de la tête. Ouais. Pour se comprendre, à travers les cinq sens de la vie, on arrive à être excité, à travers l'odeur, la vue, donc les toucher, et tout, quoi, voilà. Donc l'homme, je dirais, conception, on est ça, la partie à Moutou, la partie à cerveau. Pour se comprendre, et puis le cerveau va donner les influx. Les informations au niveau du dos et au niveau du petit bassin. Ouais. Nous avons le plexus hypogastrique inférieur. Le plexus hypogastrique inférieur est au niveau du petit bassin. Le plexus hypogastrique inférieur. Ça veut dire quoi? Parce que là, hypogastrique inférieur, c'est la zone mokoboye oyo est au niveau à mon au moins à peu près. Parce que aussi, mais boye, parce qu'en attendant, c'est qu'on n'y en a. Donc, les alarmes. Voilà, il y a une explication physiologique vraiment. Il y a une explication physiologique en ça. C'est-à-dire, la zone mokoboye est au niveau à mon corps. Et Simba qui bisso, Simba qui mobilité. Okay. On peut comprendre. C'est quoi ce qui cerveau pessiba influe au niveau ya Mukongo. Nous avons trois branches neurologiques. On peut comprendre. Nous avons, je dirais, l'innervation somatique, l'innervation parasympathique et l'innervation orthosympathique. L'innervation, s'il vous plaît, docteur, vous êtes trop scientifique. Expliquez-nous d'abord. Ouais, maman. Vous parlez de trois choses. Sinon, expliquez-nous. L'innervation sympathique. Ouais, parasympathique. Et l'autre, là, orthosympathique. Ok, ça veut dire quoi? Trois étapes en un. Ok, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que première étape, on a tout expliqué, il y a cerveau et PC. Les deux autres étapes qui restent. Oui. Les deux autres étapes, on les a dit, c'est quoi? Fonction, il y a. Plexis, on a édition. Ouais. Les deux étapes principales, vous comprendrez, troisième, ils ont la conception. Vous comprendrez, les deux étapes périphériques, ils ont émission, na expulsion. Émission, na expulsion. C'est-à-dire quoi? L'ingal a les un peu moins hein, de tout le bâtiment, bien, on peut être bien, bien limité. C'est-à-dire qu'Obima, émission, na expulsion, c'est-à-dire, l'ingal a peut-être les mots, mais manque, mais. C'est-à-dire, première, deuxième étape, c'est ça, émission, c'est-à-dire ébimi. Ébimi, émission. Vous comprenez la première étape. La première étape, c'est ça, je dirais, réglée par le système nerveux orthosympathique. Donc, c'est ça, innervation, il y a une question que j'ai gérée. Et on est peut-être, la question, peut-être, on va anticiper. Tout la qui s'accabat pas tout n'a pas tout qui non oh. Mais à contrôler l'éjaculation n'est ni 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 ça là qui a et ça ce qu'on a niveau la première étape et pour moi c'est pas la montée au carangote et bimi n'a pas testé qui c'est vraiment aussi des oya au coyo carangote dans on a pas pidi bim peut-être qu'il y a un canot différent vous comprenez si quoi le deuxième étape c'est l'expulsion bon na linga na lobi même l'icam pour ma problème mais bah tu vois ça na linga na lobi français na lobi émission na expulsion et d'accord étape il y a sorti. Oui. C'est-à-dire, tu déportes. Pour t'aller bosser, voilà. Pour expliquer, il y a des portes pour Ebima. Au fond, les premières portes. Mais sauf les premières portes, c'est ce qu'on dit toujours qu'à un niveau, il y a la première porte pour Moutou, à bloquer, à contrôler l'éjaculation. Ah, ok, oui. Parce qu'on prend un système nerveux orthosympathique. Du coup, le système nerveux somatique, na nerf auto bien à les nerfs hontés. Il y a qu'à la banane, on a un nerf honté. Mais le coma, mon nerf à Sony. Vous comprenez, bah changez comme vous en a et comme un nerf de poudendal et ça nerf moko sensitivo moteur nerf wande moutou et nerf à la pénis n'a biso et on a donc pour sa pénis au niveau glande et ça va très sensible nerf wande nerf moko très important et on a le monde à la sucre que la minute ou à la moutou et non plaisir déjà non ça ni il faut la lâcher frébima non c'est impossible vous comprenez parce que vous ne savez pas les étapes de l'éjaculation a des étapes la première étape même je ne peux même pas trop considérer ça parce que c'est au niveau central mais c'est au niveau périphérique que nous les sexologues à travers la sexothérapie tout intervenaka
poto ko kana ko pesa mutu contrôle éjaculation na ye. Okay. Donc voilà ndé mutu a ko makati na niveau abwa kama takana ye, c'est ça. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, docteur Maman. Malgré vous avez dit trop scientifique, mais je sais que on a quand même compris, hein, c'est comment est-ce que Moutoko contrôle la question et comment est-ce que Moutoko dit qu'on soit tant yé Moko habite, non, Nami PC20, même au-delà, il y a au docteur Alobaka. Tu peux le faire avec les sexologues, bien sûr. Voilà. Ils sont là pour nous aider. Voilà. Merci beaucoup, docteur Maman. Et quel est le lien faites-vous faites-vous entre les éjaculations précoces et d'autres troubles érectiles, je peux dire? Oui, il y a toujours eu des liens entre l'éjaculation précoce et bon nombre des troubles sexuels, comme par exemple l'éjaculation précoce, l'éjaculation rétrograde, la faiblesse sexuelle communément appelée dysfonctionnement érectile. Oui. Et nous avons aussi l'atrophie du pénis. Hein. Donc derrière, vous allez voir beaucoup de gens, vous comprendrez, nombreuses personnes, vous comprenez, qui ont les problèmes de l'éjaculation précoce parce qu'on a un pénis qui est. Comme poussé qui est. Et quand dit au. Non, mingi est à bongo, vous comprenez, c'est un signe. Mingi par rapport à l'élément statistique, tu vois, en gros, on a battu mingi, balé, c'est que c'est pourquoi on a pénis, moukoussé, moukié. On se comprend. C'est-à-dire, ce qui est le mieux de fonctionner mal à moté, ce qui processus, on a tu peux expliquer, ah ouais, et ça bien respecté. Et n'empêche, moutou, au moins, on a eu ce qui est non, et le mieux d'en appeler ça moukoussé. Et à moukié. À ça, j'éclatais précoce, mais le mieux d'en appeler ça moukié. C'est ce que je demande. Et ça, bon moto, et qu'on dit, parce qu'il a commis une éjaculation précoce. Je ne suis pas Botama Bongo. Okay. Vous comprenez, Botama Bongo, vous voyez peut-être que non, 90% des personnes sont nées éjaculataires précoces. Je suis Botama éjaculataires précoces, mais non, comment? Pour l'expliquer. Tout le monde est en train de se battre. Oui, oui. Tout le monde est en train de se. Et puis alors? C'est ça. Vous comprenez, c'est à travers les nerfs, tu vois, ils sortent. Mais quand l'enfant grandit, l'enfant facilement a comment à contrôler. Mixionnaire, c'est-à-dire ma souvenaire. Moi, on a on a un peu de temps. Aux arrêts éjaculataires précoces. Non, mais qu'est-ce que tu dois faire? Malheureusement, on va te donner des encoros. Malheureusement, on va te donner des comprimés là qu'on donne à la pharmacie pour que tu puisses retenir ton éjaculation. Tu veux perdre toute ta vie. Ça te détruit encore. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut apprendre à contrôler l'éjaculation. Donc, ça est vraiment très important. Donc, nous devons sur l'éjaculation précoce, maman Noëlla. Et le mené, il cause à la probablement. Qui est? Je dis bien probablement. Je dis, il y a aussi des gens qui ont. Des pays longs et gros, mais qui ont le problème d'éjaculation précoce. Mais dans la majorité des cas, c'est comme ça. Vous comprenez? La personne qui a l'éjaculation précoce à cause d'un DSH, perte à libido, c'est-à-dire Moutouana, a son apostaté, a commis désintéressé. Vous comprenez? Elle est sous un rapport, et beaucoup de catinaïe, et baille mon coubou. Et vous comprenez que ça, là. DSH, baisse à libido, c'est-à-dire, a commis Moutouana, et créer les problèmes. Vous comprenez rien du point de vue physiologique, il sécrète plus des hormones et puis après tout le monde va inabasser. Pourquoi? Parce que pourquoi aller faire 2 minutes au-dessus d'une femme, tout petit cannabis? Quelqu'un m'a posé une question les années passées. Quand j'ai dit à la télé que non, nombreuses personnes, 90% des personnes sont nées éjaculataires précoces. Bon, si c'est comme ça, c'est la nature. Pour la nuit, bino va sexologue, auto baby soit au niveau corrigé et loco. Oui, il m'a écrit, vous comprendre, c'est une personne qui était tellement intellectuelle qu'on a eu à discuter avec lui pendant 30 minutes. Mais je suis ravi parce qu'il y en a qui m'a dit qu'il a convaincu. Moi, j'aime des personnes comme ça, autour de ça, on a un choc d'idées pour lumière et qu'on a pour jaillir. Vous comprenez, il y a des gens qui est. Donc toi maintenant là, quand tu fais 2 minutes, tu veux rester comme ça avec une femme qui atteint son orgasme à la 12e minute, à la 15e minute. Pourquoi alors qu'on bat là? Pourquoi alors qu'on bota? Vous comprenez un peu? C'est pour vous dire que non, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il ne faut pas
tout spiritualisé. Bon non, et le mec n'a pas été mis pour les soins, il n'a pas été mis pour les soins, il n'a pas été corrigé dans le temps, tout ça pour corriger dans le temps, il n'a pas été corrigé dans le temps, il n'a pas été corrigé dans le temps, il n'a pas été corrigé dans le temps, pourquoi tu as fait ce qui t'aime, c'est que la bongo, donc tout continue à ce qu'on a des autres bongo. Vous comprenez donc, nous sommes aussi des chrétiens, vous comprenez, mais il y a ce qu'on appelle aussi la science. Oui. La science a la conscience. Alors, bah, en gros, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a une certaine influence entre l'éjaculation précoce et les syndromes, les autres syndromes sexuels, maman Noëlla. Okay. Donc, dans le bac, on a même une émission passée pour que nous avons un dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle, mais à cause de ça, l'éjaculation précoce. Donc, nous avons un peu de temps, il a dit que nous avons le docteur et nous avons un peu de temps. Donc, mais ne vous découragez pas. Donc, nous sommes là, nous sommes des sexologues, nous avons étudié pour traiter ce genre de problèmes. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, docteur Marmo. Merci, Michel, en direct. Émission est en direct. Vous pouvez nous appeler et vous recevez un message, Nabino. Docteur Maman, vous voyez, Bana, pour répondre. Donc, nous sommes là en direct pour Union. En tout cas, ma meilleure vie, Nabino, ainsi que ma client, Bazar, nous, Bazar, Nabino, en tout cas, ma meilleure vie, Nabino. Tolingi, Bino, Ming, en tout cas, notre top santé, topé, notre top clinique, Batras, Nabino, en tant que sous papa, mon corps. Ma maman on topé l'ingé morazo tout na ah docteur morazo le bas bien ou bien marambazo le bon gars à côté non on a vu n'anga mais non ça en dernier pour mon abango oui nos numéros sont là mais nous on a besoin on a bien abisso vous allez deux sites si vous nous faites confiance n'est le baran émission si vous nous faites confiance en tout cas appelez nous vous ne serez pas de si et puis nos adresses tous en limité primary en face il y a collège Saint Raphaël du côté industriel juste là petit boulevard industriel top clinique et zani amara tout le jour de 8h30 à 21h. Juste du bien tout le jour, de 8h30 à 21h. Et monsieur, on dirait que vous avez radio, vous avez côté directement, on dirait que l'émission, vous prenez le numéro, c'est le 089-72-60-251. 089-72-60-251. Numéro, il y a Bandeko Radio, il y a encore un autre numéro, oui, 081-47-83-255. 081-47-83-255. Donc, ce sont là les deux numéros. Au Bandeko Radio, vous avez directement Nandela et Singapour, que vous avez en direct. Il y a émission. Donc, nous sommes là. Nous attendons vos SMS. Vous avez quoi, question. Je vous permettre, docteur Maman, à vous répondre et en gros, pour que tous allons ensemble. Donc, n'envoie pas. Continuez à tes messages après ou bien. Vous pouvez appeler même après l'émission. Oui, oui. Beaucoup combien a besoin même après émission mais ma texto n'a bien autre chose n'a besoin question n'a voilà autre chose n'a besoin en tout cas pour que docteur maman aille ben à correspondre et ou voilà docteur maman il est bien sûr nous par rapport il y a promotion tout ça qui est dans le mois de décembre parce que nous tendons vers la fin déjà de ces mois de cette année même ouais donc il y a déjà la souka et tout quelques jours pour la promotion ici quelques jours pour que promotion ici la réception non nous ça s'est passé comment déjà bien sûr bien que dans les cités mais nous voulons quand même tout y est promotion Zali en tout cas tout petit merci Mingina ba partenaire na biso nyonso au bazar ko songa biso to pour nos peuples congolais donc commencer banek banda le 1er décembre et je souka le 31 oyo et souka le 31 donc quelques jours déjà quelques jours donc venez le 31 à 21h ma bika parce que mikolo mbule beta tro na kine ba dazo ya peut-être ba zo ta musika mbule est-ce que ils ont problème ou ça bela et on a dit donc bouya kaka donc ba ta qui déjà ça va en tout cas vraiment on est là pour vous promotion za la kine c'est bien là bas n'a niveau nous soit à partir à consultation, examen, même bah traitement, il faut vous profiter parce que les 31 de tout signé n'a organisme à 21h on arrête et puis le 1er décembre et le 1er janvier 2018 tout ça n'est pas de ratification. Voilà. Voilà, la promotion continue encore pour quelques jours. Hein. Donc avec ces quelques jours là, il y a pour vous en place, hein, maman. Il y a pour vous en place, papa. Et les moi aussi, fiancé, vous préparez les bas à la bino. Bon, assurer sexualité n'a bien ils bien donc pour ne pas ils ont vraiment hein, nous donc préparons nous tous est préparé année aussi là
Donc, quelques jours, on finit déjà. Donc, on m'a aussi continué dans notre clinique. Dans notre clinique, tous les jours, de 8h30 à 21h. On a tenté, yaka. Même les dimanches, nous sommes là. Donc, on a bien dit, tout le jour, la top clinique, on a à Koyambayo, en tout cas, vous allez vraiment décider, parce qu'elles sont juste confiance. Puis, c'est ton salam, ça, la vie, son nom, c'est ça. Docteur Mamou, on continue l'émission. Docteur Mamou, dites-nous un peu. Est-ce que, il existe vraiment. Il existe vraiment, je peux dire, s'il y a un traitement spécifique contre l'éjaculation précoce. Maman, Noéla, d'abord, on a compris ce qui est. L'éjaculation précoce, c'est l'anomalie la plus fréquente chez les hommes. Mais oui. Je vous ai dit ça, que 90% des hommes sont nés éjaculateurs précoces. Ils en avaient mis sous chapa. Vous comprendre peut-être à Bandia, à Mouni, peut-être, et puis c'est contrôlé. Non, peut-être qu'ils ont eu après Nicolo. Oui. Nous ne sommes pas Banda bien, et puis à un moment donné, à Mouni, problème Wana, et comme il y est. D'où, moi en tant que sexologue, j'ai dit, il y a eu Oyo, une petite carie dentaire et pas à. Et pas à dentiste. Vous comprendre. Donc, ils ont l'anomalie principale. Et bataille comme banan à comme sexologue même la top clinique et zali maladie numéro 1 vous comprendre aux anibali et belé vous comprendre après faiblesse sexuelle après peut-être DSH bon voilà ce sont des données que nous avons c'est pour rassurer les personnes qui me suivent qui non il faut cesser surtout avec des mauvaises habitudes au batoming baso mais là bas excitant ba mwamba ba nkoro et tout wana et ça a des conséquences. Je vous ai expliqué ici la physiopathologie de l'éjaculation précoce. Vous comprenez ce qui est OK il ne faut recourir na biloko wana aux bébé ça fonctionnement normal il y a des autres. Vous comprenez donc comme on a un problème il y a érection ou tu as nkoro ou meli pendant longtemps un sous coup de bois quitté vous comprenez les mains il y a qui a la langue comme on a un problème il y a érection ou comme on a un problème il y a infection ma grand bébé le coco mais là yo. D'où il est important, quand vous êtes victime de ces problèmes-là, d'aller voir des sexologues. Nous avons des sexologues ici au pays, non. Vous pouvez voir n'importe quel sexologue à qui pour remédier le problème. Vous comprenez? Et c'est tout que je vais dire aux gens qui me suivent, que l'éjaculation précoce aussi la carne à qui cité. Et dans la qui si mon côté ou au pesayo ou meli boye éjaculation précoce et si non. Et dans le traitement moko sexothérapeutique. Vous comprenez, il y a des associations, il y a des kisi, des appareils, et puis des tonga nyonso. Et il faut la précéder, il faut la précéder par un examen clinique. Vous comprenez? Il faut mettre en évidence les facteurs associants. Vous comprenez, les facteurs qui accompagnent cette éjaculation précoce. Nous devons faire un examen sexologique complet. Vous comprenez, eux, vous mettre disso, eux, vous mettre à nu. Votre éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, c'est un problème simple à résoudre. Que je dis ça. Vous comprenez? Lélo Soki, Manuela, Batoubazoko, Tambola, Nayango, c'est parce que va yébite Sikani Niyako Kende, va yébite Sikani Niyako Pesanzotote. Oui, c'est là où je suis maintenant. Voilà. Va yébite, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a de médecins, je sais là, qui passent souvent à la télé, et puis n'a pas caminé dans Bango, qui disent aux gens, aux patients, que l'éjaculation précoce, et si la pâté. Voilà. Il y a un accord à calmement. Ouais. Et aujourd'hui, quand le docteur Mamou, sexologue, il s'est dit que non, l'éjaculation précoce ici, là, ça nous trouble un peu là. Maman, il y a des gens qui étudient du jour au lendemain. Il y a des gens qui font des recherches. Ouais. Les recherches scientifiques coûtent beaucoup. Ça nous coûte beaucoup. Même on a peut-être pour nous voyager, on a qu'une dépôt, on a un bon habillé. On a qu'une assistée dans la colloque. Un jour, malade, on va foutre la ringue. Vous comprenez? Et c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Vous comprenez? Oh, bah, vous n'avez pas de tuberculose, vous n'avez pas de sida, vous n'avez pas de cancer, vous tout mouille. Dans le laboratoire, on a mis tout ça dans une émission, on a tout bouillé. Nous sommes travaillés, basali. Vous comprenez? Moi, je vais m'adresser aux personnes qui sont responsables. Vous comprenez? La santé n'a pas de prix. Ouais. Quand on dit le prix, là, j'ai toujours rappelé ici, c'est pas seulement l'argent. C'est d'abord la volonté, le courage. Vous comprenez? Les soucis. Oui, vous en avez pour nous autres, pour nous obika. C'est ça! Les prix qu'on vous demande, vous comprenez, la connaissance, vous comprenez. Cosa n'a connu déjà lié à un dame, vous comprenez. Vous pensez qu'il rapporte ce fait au salon car pour tout ça, bah gêne, pour un tamoko, pour un bizarre, encore sécurisé, pour peut-être que tamoko est passager.
vous comprenez la solution de comment on a une bière ou mais la carana pour peut-être quand alors on a mis des bières mon coup oui tout il a fumé ou soit ce qui peut-être na chez ma kaya même au monde en est qu'à ou mille mon âme pas ma boue docteur ou bien sûr chez préservatif il y a des gens qui me disent ça mais non aujourd'hui maman Noëlla n'aïe n'a pas la publicité pas maté vous comprenez pour ça publicité n'a pas ça là je dirais n'ayez qu'à interpeller les gens, vous comprenez, parce que j'ai toujours dit que vous pouvez consulter n'importe qui, c'est ça notre souci, vous comprenez, et ça qui est beau, c'est tellement beau, c'est la société responsable, voulu, agréable, et c'est la conditionnée de la cité. Donc traitement ésali, et le traitement curatif, curatif, cela veut dire quoi? Ou qu'on a l'obligé de commettre la kissi pour ça le rapport sexuel. Ou qu'on a ça le rapport sexuel dans ce qu'on a dit après 20 minutes, kakaïo. Ou qu'on a dit après 12 minutes, kakaïo. Il y a un malade qui m'a donné son aval. Il a dit c'est un docteur parce que mon batoumine ou bavard au constellateur clinique, maman, il a de la discrétion, ma combo sexualité. Mais le malade a confirmé qu'il va passer pour nous témoigner. Mais c'est pas, je dirais, c'est pas ce que nous aimons, c'est pas ce que voilà. Nous attendons. Abi, bonheur et amour, il faut bien de connaître Pia Congo, Baba Mona. Je comprends, mais moi je me suis dit, mais c'est pas vraiment important. Je comprends. C'est pas important, mais c'est important pour la. Comment est-ce que je peux dire? Bato Bandi Marati, moi je suis un fan de déjà le coin à mon thème. Mon témoignage, il est mis en moutou. Et puis ça a moutou espoir à mon bouillon, c'est qu'à la nano, la fan d'un nano. Manuela. Oui. On est ça toujours bah toi. Au moins sexe et l'équipe bijou. Sexe et l'équipe diamant. On se comprendre. Et l'équipe bilo cognon sur où et tout ça n'a pas assez à mon kili. Oui. On se comprendre. Ouais. Coco c'est nous comme mon côté zabongo. Non, c'est pas coco c'est ça, c'est la vérité oui. D'où ce qui est rare, ce qui est riche et cher. Ouais. Vous comprenez? Non, il y a un de mes professeurs qui m'a appris ceci. C'est pas tout ce qui est rare qui est cher. Cher oui. Tu comprends? C'est ce qui est rare et qui a de la valeur et qui est cher. Parce que mon Koba, ils ont rappelé rare dans le bon cannabis, mais ils ont cher. Ils ont cher. Ils sont pourtant au moins forts. Ouais. Tout ce qui est rare n'est pas cher. Vraiment. Mais c'est ce qui est rare et qui a de la valeur et qui est cher. Oui. Donc en courant, ceux qui ont été le coup de mal, ils ont dit que Gambelate, Nazanouté, la compagnie, la chère. Si on a un peu de matériel, on a un diamant peut-être un malamoro. Non, un diamant, un diamant, un diamant, un diamant précis. Au moins, on a tous les bijoux, on a eu moi, à celui qui ange, on a eu bien, ceux qui téléphone, ceux qui téléphonent, on a eu un câble. On a eu un câble. Ça, c'est des bijoux, ça coûte. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour vous dire que. Ici, il y a parce que vous avez compris. Ici, il y a des gens qui sont dans la banque. Vous comprenez. Oh, mon les abonnés, vous partagez, vous avez dit, 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 vous comprenez? Moi, j'ai dit, moi, il y a des malades qui m'avouent dans mon bureau, qui me disent, ah, docteur, non, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, vous comprenez un peu? Donc, ce qui m'ont tout ça, c'est donc le cœur de l'homme, donc, c'est pourquoi nous qui passons à la télé comme ça pour faire la promotion, c'est pour vous dire que faites très attention à qui vous confiez. Oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est le mot que vous avez. Au moment où vous avez dit que peut-être que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que mingi. C'est parce que vous avez parlé sexuel tant. Oui, on a fait l'autre fois l'émission concernant orphelinat sexuel. Donc, ça n'est pas volonté. Nous, on a dit que nous avons sexuel, nous avons dit que nous avons dit mais je comprends, les gens qui parlent du sexe à la télé, mais qui ne sont pas sexologues. Ouais. Vous comprenez, je crois peut-être que 5 sexologues au Congo. Vous comprenez, mais il y a des gens nombreux qui parlent du sexe, mais qui ne sont pas sexologues. Mmh. Donc, nos adresses sont là. Ouais. Et nous sommes aussi, pendant le mois de décembre, j'insiste, c'est la promotion. Ouais. Donc, si vous nous faites confiance, venez nous voir. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour traiter. Moi, je fais que les sexes. Vous comprenez, je suis passionné de mon travail. J'aime ce que je fais. Parce que quand les gens viennent dans mon bureau et qui pleurent. Je vois des couples qui sont prêts à divorcer. Ça me fait très mal.
ça me fait très mal, parce que c'est un problème qui est très simple et qui peut être résolu, même dans moins d'une semaine. Vous comprenez, donc, c'est question juste de faire confiance aux médecins, et oui. Puis aux sexologues, au Bosarana Bango, ou au Nicolonion Sobakoki Kobiki Sabino. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur Maman. En tout cas, merci. Et docteur Maman, si vous pouvez nous dire vraiment, que faites-vous pour les personnes qui s'amènent qui s'amènent avec l'éjaculation précoce et d'autres problèmes sexuels. Donc, il y a un problème, mais il y a un problème. Non, l'éjaculation précoce, juste ça, j'ai des problèmes sexuels. Et l'on bien les amis, c'est les amis qui. Donc, vous faites comment pour le traitement et puis. Ouais. Oui. Maman Noël, au moins, il y a un autre dans la médecine symptôme dominant. Le symptôme dominant, c'est la chose qui vous fait quitter la maison pour consulter un médecin. Oui. Vous comprenez, le symptôme dominant peut être, je crois, peut-être l'éjaculation précoce, mais c'est un problème, il y a l'ombé, il y a un problème, il y a désir. Oui. Tout comme il y a un autre qui peut venir avec problème, il y a l'ombé, il y a des problèmes, il y a des choses qui sont et mais secondairement, docteur, la ligne peut contrôler l'éjaculation. Oui. Voilà. C'est pourquoi il est très important de passer par la consultation. Quand on écrit sur la fiche, tout est noté. Vous comprenez? Donc, et puis quand nous dirigeons nos examens, quand nous demandons des examens paracliniques, c'est en fonction de ce que les malades nous disent. Oui. Vous comprenez? Et puis après, on arrive à un diagnostic. On ne peut pas. Nous autres, la démocratie sexuelle. Oui. C'est ce qui est prôné par l'OMS aujourd'hui. Si quand on a ça, on a eu la ligne à ça. Si tu as dit que tu as un pénis, il y a 17, il y a 18, mais il y a qui ça y est, il y a un sans inconvénient. Si tu as dit que tu as un 4 et qu'il y a un pénis, c'est pourquoi les hommes qui me suivent, les femmes aussi, qui ont des problèmes sexuels, la fragilité et tout. Donc, même si vous avez des problèmes, même si vous avez trois, ça doit finir, tous les trois. On va vous prendre comme un tout. Vous comprenez, c'est la loi de tout pour rien en sexologie. Donc voilà, c'est comme ça que nous sommes prêts à remédier à ces genres de conflits, quoi, voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Maman. Dites-nous, quels sont les signes, le signe et la fréquence de l'éjaculation précoce. Ah voilà, les signes, la fréquence, je vous ai dit ici, c'est la première anomalie, c'est le premier dysfonctionnement. Sexuel, quoi, voilà. Donc, batoumine, baso bela yango, batoumine, baza na yango. On se comprend. Donc, il faut qu'on réagisse, bah, là, qui sa bango, pé sa bango, capacité wana. Bah, se faire traiter, donc, bah, en hôpital. Si, n'a moué zanin, maman, ou l'an, le bango, mingi, awa, moukou, zombie, les éjaculations précoces, il faut faire la différence avec les problèmes de troubles érectiles, ou tout bien, dysfonctionnement, faiblesse sexuelle. Bonne érection. Les érections voulues automatiquement, vous comprenez, il a des bonnes érections. Mais lui, son problème à lui, c'est-à-dire quoi? Il éjacule si vite. Et puis, il peut éjaculer directement, on n'a pas à télémie. Voilà ce qu'il a besoin de la première érection. C'est ça l'éjaculation précoce. Il peut même faire 4 coups, 5 coups, mais il y a 2 minutes. Vous comprenez? Il y a un peu de temps. Ok. Vous comprenez, la pénémie n'y a qui est. Donc, ce sont des signes, vous comprenez. Ils reprennent facilement les érections. Vous comprenez. Mais, il faut être très clair dans le cas où on a mis ça. À un certain moment donné, surtout ceux qui ont été découverts avec excitant. Parce que lui, tout le monde n'a pas de problème d'érection. Mais comment tu peux aller prendre un excitant? Un excitant, c'est un produit qu'on donne pour que la personne puisse se mettre debout à une érection. Et puis, c'est le médecin qui le donne. Non, les excitants, ce n'est pas les médecins. Le médecin qui le prescrit. Non, non. Dans des pharmacies. Bah, tu vas voir mon corps, bah, comme il commet sommeil. Oui, bah, tu vas voir mon corps, sommeil, mais une normalité. Ouais. Il faut jouer à la prescription médicale. Oui, oui, il faut la prescription médicale, mais bah, excitants, ça va être un nom, donc, comment on dit qu'il va sacher, il va être un nom, c'est bon. Mais là, aujourd'hui, le bawana, médecin, il faut qu'on me bombe, bah, comment on met la bango moko. Ce que conséquence c'est ma baignée Zali maman là. Nous avons première excitation t. Aussi c'est rare facile maman. Comment comme la excitation ça dit au comme boum ma sous bien bien. Et nous on a battu sous pour dire qu'une éjaculation précoce à moyen de ma sous bien t. Alors nous qui ma sous nous qui n'a problème moi na t.
Dans les trois fonctions, il y a petit bassin principal, les alliés de défécation, miction et éjaculation. Kosumba, kosumba et puis, pour éjaculer. Ça prend. Vous comprenez? Donc, mais éjaculation, qui va prendre dans mon côté? Peut-être qu'il faut échapper, la Kosumba s'échappa. Pas bunda bunda, on a comme qu'il n'y a moins d'âme. Mais si le loi contrôle la raquette. Vraiment. Mais le que vous allez important, vous allez nini, bah yé, bah signe, ou on a bâti ma mbang. Conséquence dans le dernier moment, c'est insatisfaction conjugale. Yo mon bel mon bossa, ça 2 minutes, 5 minutes, il connaît moi si. Vous comprenez, moi je suis esclave, n'a rien. Vous comprenez, vous allez m'occuper, il faut partager, n'a rien. Ma plaisir. Vous comprenez, et puis maman, vous allez agréable, il y a un frottement du pénis sur la muqueuse vaginale, ça fait du bien. Oui. C'est une sensation agréable. Vous comprenez, l'eau, vous m'occupez, ça m'occupe, il y a un bateau, l'eau. Vous comprenez, si vous m'occupez, vous m'occupez, dans le moment où on a été. Vous avez un petit cas, vous m'occupez, vous m'occupez, vous m'occupez, non, vous avez une vie bien, vous avez une mente la calme, qui est split. Vous comprendrez. Donc, si vous avez une poigne, il faut bien vivre. Vous comprendrez. Vous avez une lame, vous avez une bien, qui vient sous qui vient, il y a ma cache, il y a qui me pèse. Internet est mal à pèse, au pèse la mbongo bala. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, vous comprendrez. Vous pouvez la flat, vous pouvez ceux qui voient dans l'hôtel. Nous, c'est des résultats. Vous comprenez? Et ça, la manière à bien. Non, même plaisir. Mais comment se fait-il que tu ne traînes pas, tu fais 5 minutes et puis tu es là, debout, au baillé? Et comment on peut faire un nénémoron? Donc, maman, comment est-ce que tu as fait? Celui qui n'avance pas, qui quitte dans le tout. Vous comprenez? C'est-à-dire. 5 minutes, 5 ma charge, on a ok, c'est pourquoi je vous exhorte, n'a pas quoi aller le ouyo, bouya, pour se faire traiter, pour médecin, n'abino, pour sexologue, n'abino, ils ont facile, tout sexologue. Moi, je dis pas, c'est moi qui bouya. Mais si vous nous faites confiance, nous sommes là. Sinon, nous sommes là. Si vous nous faites confiance, nous sommes là, et puis tous en attente à promotion, oui. Oui, Manola, si. Si ces gens aussi ont confiance, la médecine a bangopé, ma kende. Ma médecine a bangopé, vous appelez ma sexologue. Ok, donc si vous nous faites confiance, sinon nous sommes là. Nous sommes là, la primerie limitée. En face, il y a Collège Saint-Raphaël de la Marathon, le jour de 8h30 à 21h, juste à la petite boulevard industrielle. J'ai bien dit. Primerie, ils en ont un peu résidentiel, un peu industriel. Nangamba résidentiel, la petite boulevard y a résidentiel, tout le monde a Saint-Raphaël, collège Saint-Raphaël, école. Nangamba y a industriel, la petite boulevard, tout le monde a top clinique. Ils ont un bâtiment, ils ont un top clinique, ils ont un répété en blanc. Donc, passerelle, les moutiques, sur route, Nangamba résidentiel, oui, passerelle, les appons, au bâtiment, et permettre au bâtiment, au cas de ça, aller dans l'industriel, tout le résidentiel. Donc, juste pont, on a content, on a un pont des Auréliers. Top clinique, na Saint-Raphaël. On te peut s'adonner à place en bon. En tout cas, nous sommes là. Appelez-nous, envoyez-nous vos différentes textos et vos amalans. Ming, docteur Maman, aïe, ben, à quoi répondre. Merci beaucoup. Docteur Maman, oui, maman. Dites-nous un peu. Est-ce que éjaculation précoce, c'est peut que vous aimez la couple stérilité? Le coûte à maman. L'éjaculation précoce est cause à la cause de la stérilité. Vous comprenez, l'éjaculation précoce est une personne qui a mesure de faire, je crois, 2 minutes, 3 minutes, quel que soit le nombre de minutes que tu peux faire, même les secondes. Okay. Vous comprenez, et bah, sperme est côté. Dans le cas internet, il y a maman basper, mais il y a millions de spermatozoïdes dans Kati où il y a eu posé en haut pour ça, pour na maman à quoi on a zémi. Donc on insiste parce que il y a une confusion ici. Papa, moi, je sais que je suis cet enfant, je suis en 2 minutes. Mais il y a un couple qui est à tricher ou bien peut-être à cause de la. Non, rien qu'il y a des éjaculations précoces, vous comprenez, il lobby à qui il y a un facilement, sans problème. Vous comprenez donc que ça est bien pour vous tenir comme il se déjà cause de la stérilité. Mais qu'on se le dise, il y a une variante d'éjaculation précoce qu'on appelle l'éjaculation anteportas. C'est-à-dire, nous avons tendance à éjaculer avant
même à pénétrer. Je comprends dans la moulonga naïe et puis bah on est à bord qui d'amataka naïe avant même pénétration vaginale. Mm. C'est en ces moments qu'on peut dire que non, mais là les couples voient, ils voient que non, mouvement n'a pénétré en couple, mataka et manan, on a pas plus. Voilà, oui. C'est une éjaculation antéportas. L'éjaculation antéportas n'est de cause à là, je dirais l'un des facteurs favorisant la survenue de la stérilité. Mais la stérilité, c'est autre chose, donc voilà quoi, c'est ça. Ok, merci beaucoup, Koyoka Okoloba, parce qu'aujourd'hui, en tout cas, pour vous, qui bénit tout le monde à Ebélé. Voilà. Mais un Congolais a perdu, je ne sais pas si c'est mon Congo, parce que les Congolais sont partout. Ouais. Bah, ça partout. Et puis, bah, tout le monde a son indélé est net, dans le soleil à Congo, babengaka, pour nous, le baraque. Non, voilà, au bal, on a comme qui, on a faiblesse sexuelle, tout pas comme qui, les éjaculations précoces, mon corps, bah, médecin, bah, lobby, qui y'a un des, ils a à la base, stoppé, y'a un des à cause, y'a stérilité autour. Jamais. Non, je m'explique, Manuela. Nous, à cause de la éjaculation précoce, Manuela. C'est un problème de la stérilité, c'est ça. Voilà, voilà. Non, à cause de la azana en gros, mais à cause de la zoospermie. Je comprends un problème, il y a matakanaïe. Il combine, comme je t'ai dit ici, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui a beaucoup de problèmes à la fois. Il est éjaculateur précoce, mais il a aussi un problème d'azospermie. Et là, on peut comprendre que non, c'est l'azospermie qui bloque. La sperme n'est pas bien. Je comprends, mais nous, tout ça, là, qui est, quand on a fécondé, maman, je comprends, mais dire que l'éjaculation précoce, seule, en soi, de manière isolée, ah, non, là, là, non. C'est pourquoi même les couples qui viennent, même pour les problèmes de stérilité, il y a Kobota, Mbele, au coup de mingi le cas principal de la stérilité, il y a une infection. Il y a des gens qui viennent pour des problèmes, il y a Kobota, ça dit 10 ans, 5 ans. Mingi n'a pas tout, on a maman Noëlla, éjaculateur précoce. Parce que il y a un problème, il y a un problème à Kobota, il y a un dégoût, il y a un. Vous comprenez, dégoûté, mais maranine, éjaculation précoce. Vous comprenez, mais la stérilité peut être l'une des conséquences de l'éjaculation précoce. Vous comprenez, on dit, baïnaïe, faiblesse sur les côtés. C'est pourquoi il est important, même si vous avez un problème de stérilité, c'est important pour qu'il vous consulte le médecin, si vous pouvez se compter en ce moment, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'habitude, donc tout ça, il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas d'habitude. Voilà. Merci beaucoup, docteur Mahamon. Docteur Mahamon, dites-nous un peu, nous les femmes, est-ce que les femmes aussi peuvent être victimes de l'éjaculation précoce? Ah, tiens, bien, vous avez bien dit. Bien, je dirais même, du point de vue sexuel, des êtres favorisés. Mais ce n'est pas toutes les femmes, vous savez. Oh, mais attends, je vais t'expliquer. La majorité, c'est ce qui est intéressant. Moi, je parle de la majorité. Vous comprenez? Les femmes, ce sont des êtres qui sont, je dirais, épargnés. Vous comprenez? Donc, ce sont des maîtres, donc des médiateurs, des gens qui gèrent. Vous comprenez? Dans la cellule de base, elles sont plus fortes que nous. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Il est toujours avantagé, une femme qui jouit même à la première minute, c'est avantagé pour un homme. Ok. Mais tout ça, maman, incompatibilité, il y a la couplette. La couplette, la couplette, la partenaire sexuel incompatible. Vous comprenez? Kulinga de l'extérieur, la linga moi si à bassin, la linga mobile musclé, la linga kamobali, azara sur une vélo, naiku somo ça ça beauté. Mais il faut aussi faire les choix sexuels, parce que moi en tant que sexologue, c'est les choix sexuels qui m'intéressent. Mais vous comprenez, cela veut dire comme Manuela, une femme qui a son orgasme, il y a des femmes qui éjaculent comme ça à la 10e minute, elle a 3 orgasmes, c'est avantageux pour son homme. Il y a des femmes qui éjaculent même pendant les caresses. Vous comprenez, son bel nez qu'on embrasse bien, à ce qu'on touche ma tête bien, à ce qu'on masse ma mollet bien, une femme peut jouir pendant ce temps-là. C'est avantageux pour un homme. L'acte, ça peut s'arrêter là. Vous voyez la ligne est polie. Ok. Toutes ces choses-là doivent être parlées. Vous comprenez, pendant les fiançailles. Autrement, sinon, question, mais dis-moi un peu, toi, c'est comment? Si toi, je ne te pénètre pas, donc cela veut dire que donc que je jouis. Il y a des femmes comme ça, ceux qui ont pénétré et à conjuguer. Mais il y a aussi des femmes, avant même qu'on doit pénétrer à Tikinaï.
Il y a des femmes comme ça, sont comme on dit, dans la cinquième minute, du coup, à d'abord qui des fois. Vous comprenez, et c'est avantageux pour un homme. C'est très avantageux pour un homme. Au moment où on va sécuriser, à faire épargner dans le danger. Il y a aussi des femmes, maman, là, au lieu de me sentir que non, oh, Roman, n'aimez-vous que tu sois un robot, oh, c'est une minute, 20 minutes. Azana yo. Oh, ça, les positions, bon. Oh, ce sont des femmes problématiques. Ce sont des femmes problématiques. Comment ça? Dit, mais oui, ce sont des femmes problématiques, il faut faire les choix. Elle peut aussi être frigide, non? Non, moi je ne parle pas de la frigidité. La frigidité, c'est autre chose. Oui. Mais il y a des femmes qui sont normales, qui aiment beaucoup le sexe et qui atteignent difficilement l'orgasme. Ça, là, on va développer. C'est adaptatif, il y a sentiment là-bas. Mais elle est née comme ça. Il faut vous mélanger, il faut vous attendre, il faut 20 minutes. Il y a des femmes comme ça, maman, on est à la troisième minute. L'homme qui est là, qui fait 15 minutes au-dessus d'une femme, mais la femme a joué 4 fois. Oh, bravo! Ce sont des femmes qu'il faut choisir. Les avantages, on ne peut pas, parce que c'est l'homme qui a l'érection. Vous comprenez, quand l'homme perd l'érection, l'éjaculation précoce est un domaine privé des hommes. Quand un homme perd l'érection, tout s'arrête. Mais la femme, c'est une réceptrice. Elle attend les pénis venir vers lui. Au bout qu'on a 10e minute, au talal. Au bout qu'on a 20e minute, au talal. Au talal. Ben oui, au talal. Il y a bien ça, il y a bien ça. Il y a bien ça, il y a bien ça. Vraiment, non, c'est pas provoqué, c'est juste moi qui assiste maman Roboué. Mais oui. Oui. Mais oui, mais c'est pourquoi je voulais vous dire que les hommes, c'est pourquoi les hommes qui me suivent, hein, les hommes ne soyez pas paniqués devant les femmes. Vraiment. Ne soyez pas paniqués. Un homme qui a des érections régulières, un homme qui fait des rapports sexuels convenablement, ce sont des hommes à féliciter. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile, donc c'est pas une messe à faire. Tenir une bonne érection, nous avons besoin des éléments physiologiques, musculaires, neurologiques. Vous comprenez? Pour na mobali akwana ko telema akwana ko sala ndenge sengeli. À ça la 12e minute ou bingi éjaculation précoce. À telema 11e minute pour ce qui est papa. Siko bolingi ni. D'où na ibsi mbali ba se révolter. Du coup, bazolo bazaba nani. Bazolo bazali ke non amoni bonga ke melanko ho. Non! Nous ko telema. Vous comprenez? Nous ko tricheter. Mitala, vous comprenez, il passe des années dans internet, des années dans vagin, où ils allaient potaner dans l'hôtel Koloba. Ah ouais, où ils sont gauche, droite, c'était. La réponse, nous, on va dire, si tu as mis sur le balai tranquille, il y a besoin d'un problème d'éjaculation précoce. Il y a beaucoup de gens qui ont mis, moi, si, à éjaculer même la deuxième minute, pour que vous 3, 4 fois, 5 fois. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur. Maman, question n'a pas pour que n'a permettre la bande de Koba Benga. Et le renigne au couple et que ça la topé couple bako ça la pour que j'acquille au même moment. Moi, c'est dans mon bali. N'attends pas ça la fête. N'a pas j'acquille au même moment. Bah, on y m'balé. Bah, c'est pédé le goût quoi. En tout cas, ça passe. Et ça vraiment passe. Maman Noëlla, et c'est une expérience mink. Et puis, ça risquant. Ils ont très risquant. Parce que l'on dit que le bas-out, c'est l'homme qui a les restes. Quand l'homme perd l'érection, il faut normalement, physiologiquement, à zéro. Ceux qui vous ont expérimenté bien, ceux qui vous ont bien, donc, vous avez moins de bois avant. Vous comprenez? Surtout ceux qui ont moins de bois. Vous comprenez? Ceux qui ont moins de bois, vous avez moins de bois. 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 Vous avez gérer, mais pour gérer, il faut se faire traiter ma personne capacité. On a besoin qu'on parle donc d'où au monde qui est moi je suis quoi éjaculé avant, ils ont avantagé ma casse. Donc, pas si m'y dit bah tout n'a pas la question. On a pas besoin de la boîte à facile, mais c'est bien maman. Et yo, bah que yo, bon mémo au gaz, nous le faisons en pam pam. Vous comprenez, il était ma bête, et ça ma bête, tu as ma parole. Vous comprenez, vous n'avez pas la parole d'un diététicien, vous n'avez pas la parole d'un cardiologue, vous avez la parole d'un sexologue. Vous comprenez, donc ça va nous la kimia vana. Donc c'est important, maman Noëlla, bon ou kakate, il ne faut pas réveiller le chat qui dort. Vous comprenez, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous pas. Ok, au père de l'érection, moi ça t'y gagne mon pied. Donc c'est là, t'as moi, moi si à Kéi, elle jouit. Et peut-être après 45 secondes, une minute, tu peux aussi éjaculer. Les couples expérimentés peuvent le faire.
Oui, bien sûr, mais non, pas qu'il y a une question sous capot qui n'a pas mal de bandeau benga, mais la question mourir. La question pénale sous capot, non, pas sabine au tambour benga. Docteur Mamou, alors donne-nous la fréquence exacte des rapports sexuels. Moi, là, aujourd'hui, il n'y a pas de fréquence exacte des rapports sexuels. Comment ça? Non, il faut arrêter avec les histoires là. Un couple énorme. On n'a pas besoin. Non, pas souhaité. Voilà. On a tout en gros. On a besoin de fréquence. Mais exacte, d'abord, la fréquence exacte. Nous, tu as une question. On a que non, il faut faire preuve des rapports sexuels. Il faut faire preuve des rapports sexuels par semaine. Ou deux fois, ou on a commis une colo. Non, ce n'est pas lui qui est sur le rapport sexuel minimum ou des manzotes, non. Au contraire, au Kubumba. Bien sûr. Nous sommes sexologues il y a 25 siècles, tout y est, notre papa, le père de la sexologie, l'américain, Master et Johnson. Vous comprenez, il y a des bisous, mignon sur le vélo. Mais bisous, c'est une nouvelle génération. Merci, Nabango. Mais ça, c'est un peu respect, Nabango, mais toujours continuer à aligner Nabango, mais toujours dans la variante Ningi, selon le développement où nous sommes allés dans et là, qui s'est rencontré, ça là, il y a une démocratie sexuelle. On fait les rapports sur ce qu'on a envie de le faire. Oui. C'est une envie, je ne dirais pas un besoin, c'est une envie physiologique. Oui. Une envie, c'est quelque chose que tu vois, la pensée au son, mais tu vis là, dans Monaco. C'est une envie. Vous comprenez, une envie, c'est comme vous avez apporté ma chaussure dans le la Tiboué. Vous comprenez, c'est une envie, une belle montre, c'est une envie. Vous comprenez, c'est ça les rapports, c'est une envie. Ce n'est pas aussi un besoin. Un besoin, c'est qu'il y a, qu'on met la maille, qu'on déféquer, qu'on faire le sel, ou bien qu'on ça a mixion. Parce que quand tu ne le fais pas, tu vas mourir. Ouais. Quand quelqu'un arrive à faire une semaine, sans pour autant amener la maille au Manuela Moukouana à Koukoufa. À Koukoufa, oui. Vous comprenez. Si nous avons 52 jours à Zoliate, Moukouana à Koukoufa. Mais les sexes, tu peux rester pendant 4 ans, 10 ans. Les gens qui me suivent, ils ne les font pas. Makoufa. Makoufa. Makoufate. C'est juste pour vous dire que non, quand tu as l'opportunité de les faire aussi, fais-les. Fais-les. On ne peut pas vous dire que non, vous êtes couple, vous êtes amoureux des fois. Non, pas une bonne limite, non. Non, beaucoup ça l'on peut 7 sur 7. Beaucoup ça l'on peut 3 sur 7. Et l'obi et l'eau comme mon côté. Donc, c'est pour ça. Il y a un jour, vous êtes libre, vous êtes démocrate, vous êtes un mot, vous êtes un mot. Si vous avez un mot, vous êtes un motivé. Vous êtes une promotion dans ça là. Fête la fête, vous décembre. C'est la fête? Oui. C'est la fête? Oui, oui. Mais alors, fêtez. Donc, vous pouvez le faire. Donc, tant que ça l'on mingi. Et là, si j'ai fait le pays, maman, on peut vivre longtemps dans mon kili. Donc, si nous comprenons bien, il n'y a pas de fréquence exacte. Exact. Soyez libre. Le terme où vous dit d'être libre. D'accord, là on comprend. Et puis, parce que c'est binoté. Parce que dans le bien, il y a un non. Nous ne pouvons pas comprendre. Et toi, nous sommes au coma, 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 nous non. Et ça, nous sommes au coma, 4 ans, 5 ans, 20 ans, il y a des gens qui sont dans la postola. Vinem ou Mbala qui m'en sert à la poche, c'est ma koufa. Vous comprenez? Donc c'est pour te dire que c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Maman, on a pris un peu de temps, on a pris un peu d'espace. La bande de Oui, bah, sur l'Andabis, sur l'Andélé Radio, tout puis l'Andélé Télévision, bah, Kota. On dirait qu'il y a une émission pour que, bah, mes canaco bien à Bissou. Et là, je dirais, meilleure vue à Cédric Mongo depuis Brazzaville. Et puis, je dirais, joyeux anniversaire, la Batounion, sur ma beauté, la mois de sombre, y compris là. N'y a plus maman Noël, la beauté, la mois de sombre, en tout cas, la Batounion, surtout, au beauté, la bango, mois de décembre, moi, y a ma fête, en tout cas. Bah, meilleure vie, la bine, bah, bon anniversaire, la bine, en tout cas, je vous aime beaucoup. Je donne aussi le temps aux autres pour passer les appels. Mais entre-temps, je vous rappelle le numéro, oui. Je vous rappelle le numéro, car émission est en direct. Donc, je vous rappelle le numéro. Ma bah, numéro, la bande de quoi radio, la bande de quoi télévision, ma numéro, c'est les cadres à la bande passante. Bande de quoi, il y a radio, le quoi, la bozo monaté, mais bozo yo kabiso, prenez, c'est les 082-60-251. Il y a encore 081-47-83-255. Ce sont là du numéro. Il y a un déploiement radio, on directement. On dirait qu'il y a une émission Top Santé.
Voilà, je croyais comme si docteur Maman Allô? Allô? Bonsoir, Maman Noëlla. Bonjour, la démission Labino. Nalinga qui n'a posé problème à Maï. Naza n'a pas ça. Donc tout mon bleu avec mon bal nana et comme mon ennemi alors poussé comme mon ennemi parce que dans mon avis on est ça ne va pas et puis de deux dans un problème moto ce qui n'a pas les rapports sexuels pour n'a comme à ma deuxième coup il a difficile et puis ça me prend même des jours. Ça me prend même des jours, donc ça me fatigue, je prends des jours même pour n'aille pour ça la rapport. Yango, Nangaina, Zoana, le programme Nabino, pour n'aille pas docteur Mamo, na cette soigner. Voilà, merci beaucoup, il est parti, docteur. Programme Nabiso Ndeko, si on a scopé ça en Awa, surtout dans le mois de décembre, Oyo, tout ce qui est la qualification Nabiso, selon les étudiants, bah soldats, bah fonctionnaires, bah chômeurs pour le mois de décembre. Mmh. Et tout ce qu'il y en a quelques jours seulement pour tout comme les premiers calamités. Oui. Donc venez nombreux. Mmh. Nous sommes là tous les jours de 8h30 jusqu'à 21h. Oui. Donc mais je crois que nous tous ici à Kinshasa, les cliniques sexuelles qui sont à Kinshasa, tous en avons presque nabani ni moko. Oui. Si vous faites confiance à votre médecin, vous pouvez aller aussi les consulter. Je crois que à cause de la solution nayo. Pour la question nayo, je crois qu'il y a un problème. Il y a une démocratie sexuelle. Il faut que les gens soient en train de se faire. Il faut que les gens soient en train de se faire. Il faut que la charité bien ordonnée. Comment ça se passe? Donc voilà, tout le monde a appelé na kayo. Et donc, il y a droit à la commission de l'Union. Donc, nous, sauf que ce que nous peut-être opéré sur la directive, comment ça se passe. Ouais. Parce qu'on pense que tout le monde va contre-indication, tu vois, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Vous comprenez, peut-être que tout le monde a été mis au salaka, tout le monde a été monté au salamoté, mais la majorité des personnes au bazar à fleur d'âge, les conditions sont celles-ci, salamaka, après 12 ans, na avant 80 ans. Okay. Donc, on a pris 80 ans à au salamoté. Donc, si tu as 75 ans, si tu as 45, tu es libre de venir le faire. Donc, nous sommes là pour ça. Au salamoté, je peux dire qu'ils allaient non-assistance en personne en danger. Vous comprenez, mais sauf que tout le monde a été orienté, comment ça s'est fait et puis avec beaucoup plus de précision du point de vue scientifique quoi. Voilà. Merci beaucoup tous appels et des comme sous oui oui bonjour docteur bonjour maman joyeux Noël. Merci. Pareillement. Merci. Oui docteur, j'ai une préoccupation par rapport à l'émission. Le problème, Nana, c'est que je n'ai jamais eu de désir sexuel, donc je n'ai pas de désir sexuel, même si mon mari me touche et tout, donc Nana a un sentiment, quoi. On a eu caca que mes amis disent, mais il y a un sentiment, il y a un sentiment, il y a un caca de l'autre côté, peu importe ce que mon mari fait, bon. En tout cas, je suis allé de l'autre côté. Le sentiment est que je suis allé de l'autre côté. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider, docteur. Voilà, docteur. Oui, madame, nous pouvons vous aider, c'est possible. Oui. Mais je vais te dire une chose. Aujourd'hui, dans le siècle Nabisho Lelo, il n'existe pas de femmes frigides. Terme, hein, vous avez qui banni. La dictionnaire n'a plus sur la sexologie. Aujourd'hui, on utilise beaucoup plus le DSH, désir sexuel hypoactif. Maman, je veux dire, 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 pas dire, que non veux dire, je veux dire, non. Veux dire, je 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 si c'est ça en fait, oui. Voilà. Il y a un certain nombre, il y a stadification, oui. Il y a
basi. Vous comprenez, basi mususu baso ko orgasme difficilement. Basi mususu ba yo ka désir wana te lengi wana pe ba yo ka rangote. Vous comprenez, mais pour le kolobaki ayo ka kilo ko mon côté non. Mais aujourd'hui, pourquoi le terme là a été banni? Parce que bah, comme tu as déjà, comme tu sens, tu comprends, quelque chose, on peut remonter, on peut te traiter. Il y a multiples causes qui peuvent être à l'origine de cette anomalie-là. Mais celles des examens cliniques peuvent nous donner la cause réelle de ton problème. Et puis, il y a un traitement, je dirais, spécifique pour tout qu'on a pour résoudre. En gros, donc, il y a bon nombre de femmes aussi qui nous consultent. C'est un problème fréquent aussi qui prend de l'ampleur. Excusez-moi de dire toujours la fragilité, mais on appelle ça DSH. Voilà. Oui, oui. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Tous appellent Nabiso et Landy. Oui. On peut dire. Allô. Allô. Bonsoir, meilleur vœu docteur. Meilleur vœu. Merci. Alors, Naï Papa Thomas, Namakiti. Oui. Ah, Papa, pour moi, la Bengi pour. Nazana mutungi si makati ya wabanda bambulu izo ya uvu maite nga papa na bino nazana 70 ans nazana moto ya diabete na tension mataka ngayi mais nalandaka bakiti na ngayi normal ya tension na diabete normal izara toujours na valeur normal mais la bakiti diya balandira kangayi wana probleme te ti bambulu ilikiro ndako sana nga bulungu na mama ziraki malamu. Mais depuis 2015 en tout cas, ma faiblesse m'a cassé. Nazo kokate, vraiment, na papa na bino, pas moyen. Si koyo, na meli bakisi, na kebo koko, oh, t'as dit patricien, oh, boye, tout ça. Meli bakisi, zo simbate faiblesse. Pas de ma conseil, ngaï, oh, viage na ngaï, n'a comme 70 ans, boye, c'est que, le kobonga li sou souté. Donc papa, nanti que la kaka boye, vraiment, maman la bino, zana nous quand même, pose zali menga la zo kokate, vraiment, na ebite, na salanini, est-ce que vraiment solution zali, papa docteur, vraiment, tout l'andakayo mingi, vraiment, lina kouta na yo, est-ce que na kozonga normal, na 70 ans na yo yo, vraiment. Merci mingi, bonne année. Merci. Bonne année à vous, papa. À vous aussi. Donc, le Congo n'a pas eu bisayo. Dans 70 ans, on a eu Zoloba. Dans 70 ans, on a eu Zolia. On a eu Salacel, on a eu Souba. Pour un voisin, on a droit, il y a eu Katayo, sentiment, on a eu papa. Et puis, maman, on a eu. On a eu Sepelate, on a eu Sepelate, donc Zala na Kimia, donc Yaka na hôpital, tout ça na décembre, je crois que au Kozoa Lisungi na yo, ou la diabétique, ou la hypertendie, na si na robe quand on a émission passé na ngai, mobile atik ala kamaka civine, mobimbati na liwa na même à 80 ans au Kozoa la rapport sexuel malam. Voilà. OK, merci beaucoup docteur Mamoto, continuez tous appels et ndeko mususu. Oui. OK. Allô docteur. Allô. Merci. Rakumbo la ngai bienvenue na vanna lemba docteur. Docteur na beta ka bakumo ko donc sona zikumo ko docteur donc mawa sona bandi bo donc mbala mo fe bima donc nana pousa pena ki na bandu beta pena na precision pena na pousa elo na ngai amune. Na pousa ne. Ouais papa yaka donc tuzali non na ulba susu kaka donc tuzama kama tusala ka mtoto na question pe ne simana yo tu ipse kika kabongo tu ana décembre yaka kwa solution non sans problème. Merci. OK, merci beaucoup de vous continuer la appel en tout cas. Oui. OK. Allô. Oui. Allô, docteur. Oui, maman. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Avant de la bandale, hein. Na bengio pona s'excuser. Tout le monde a commis du mal en bas. Oui. Avant, un problème sérieux, il y a faiblesse sexuelle. Pendant ça, même un mois sans. Tout ça, l'amour. Mais. Il y a pas de diabolisé qui n'a pas été coquillé, Quand vous avez dit ma promotion, tellement de souci à santé, à qui d'un coup, à qui d'un traitement.
Je me regarde mon monika kazongi. Tu commences à l'amour très bien deux fois la nuit. Ah, la première s'est répété dans tout n'y a dit, qu'est-ce qu'il y a un problème? À ce moment, chérie, n'a bombé la cure, n'a rien à comme le docteur Marmot, n'a pas de traitement pas naillé. Donc, à Zongi bien, donc n'a à l'aise, mes colonies soient faites, les Canadiens, n'a pas dit très bien. Donc, c'est pour cela, docteur, n'a signé merci et puis excusez-moi avant ma ligne du Sangai. N'a quitté qui m'a bé, sans n'a éba, ni nous au sala. Merci, docteur. Merci. Merci beaucoup, en tout cas merci. Merci surtout, il y a un appel à Souk. Oui, appel à Souk, on est au perception de là. Tout ça, en tout cas, on découvre un message. Vraiment, je suis désolée avec vos messages, mais tu as quand même appel à Souk. Madame Mingi. À décembre. Allô? Oui, allô? Bonsoir, docteur, confrère. Bonsoir. Ah, jamais docteur Mathieu, hein? Oui, docteur. Une clinique de la place Tawa, dans la capitale. Dans la clinique Moka, on a quitté Tawa. S'il vous plaît, confrère. En tout cas, dans la Kayo Mingi, hein? En tout cas, dans le mouvement Mingi. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer Bissot, ni le pédé cela, qui arrive à Ka, Moutou, à Sali Koumoko, après, pour deuxième EIA, il faut attendre et belé. Ou karma et répéter tout ça et le pénis à la capina difficulté à l'installer parce que non normal de belé ben va consister à prendre un gobac et belé que tu n'as pas pour un gros pour notre qui va tout à l'heure c'est vrai mon nebsa médecine les alliés chacun a une spécialité n'a et donc il y a un peu près mana team de la corbe à kawana mingi un atin à coupé n'a kawana mingi et un vieux spécialiste c'est à dire on peut faire à kumoko deuxième zoyate et zoyate difficilement ou karma et répéter tout ça. En tout cas, merci docteur pour notre courage, hein, confrère. Je vais passer au bureau pour vous souhaiter là. Maintenant, on est malade, on est malade pour notre kawana, parce que chacun a sa spécialité. Hein. Bonsoir encore à vous. Merci, docteur. Ouais, merci, docteur. Peut-être que je serai très bref avec vous, parce que papa, Jonathan, il faut déjà t'insiler. Oui. Donc, il y a des étapes dans le rapport sexuel. Il y a 5 étapes. Toi, d'abord, on a désir. Toi, on a érection. Et puis, tu as la phase, il y a plateau. Oui. Et je vais me casser. Et puis, tu as l'éjaculation, l'orgasme. Et puis, détinescence, c'est-à-dire pénis et lembi. Si pénis et lembi, maman, nous là, où il y a quand tu es en période réfractaire. Ok. Le docteur, comme on a dit, dans la période réfractaire, elle est là où il y a une médecine. Oui. Je comprends. Pourquoi, Bissot, même, le médecin, tu interviens à Kessikawana, surtout qu'on a reçu, c'est à Moutou, à Kindro, ça va 2 coups, 3 coups, 4 coups. Donc voilà, je suis ravi aussi, surtout dans le bureau, comme on a tout développé, on se souvient bien. Ok. On peut signer déjà parole, on a tout, on a pu signer, merci, Mina, directeur, la Bissot, à production. Papa John Kitten, en tout cas, merci, Mingi, joyeuse fête de Noël, bonne année, na maman, paix. Parce que Mbote Mingi, na pesi papa, honorable Nza ou Mbote. Na pesi batunion sur top clinique, na malade, na batterie, peut-être on se balaye, bisou. En tout cas, nous avons battu la sous na 2018 au Banda, dans quelques jours. Donc, en tout cas, merci Mingi, Noël, à toi aussi. Voilà. Merci beaucoup, docteur Mamou, à vous aussi, hein, pour la disponibilité. Hein. Nous clôturons déjà l'année, on a commencé ensemble aujourd'hui. Nous sommes pratiquement à la fin de cette année. En tout cas, je dis merci, Eddy, et puis merci, Pena, na Yopeneo, Pesa qui m'attendra pour la émission de la Top Santé. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Nabino Nyonso, pour lundi. On continue toujours avec nos meilleurs vœux, Nabino Nyonso. Papa Billy Monsaka, maman Niklette Kadi. Je vous aime beaucoup, en tout cas, na ligne Binomingi. Et pourquoi pas aussi meilleurs vœux à mon chérie Santa Fe de London. Merci aussi à toi, ma meilleure vœu. À mon bébé chéri, il y a Victoire, Tontine, Victoire, il y a Élisée et puis Giovanni. Toute ma famille, maman Yasmine Saki, Moté, mes papa Gilles Ndelo, pourquoi pas aussi à Julia et à bébé Gis. Je vous aime beaucoup, en tout cas, meilleure vœu. Nabino Nyon, surtout Trésor Lindal, en tout cas, meilleure vœu à toi. Et pourquoi pas, il y a Malou Mavoka. Ils ont payé, en tout cas, Israël, référence, toujours Israël le petit, ainsi que ta petite soeur, la très jolie. En tout cas, je vous aime beaucoup. Meilleure vœu. Nabino ainsi qui est la maman et notre maman là qui est au courant. Meilleur V à vous aussi, meilleur V aussi une équipe technique nana, équipe technique nana en tout cas vous mais la talarara donc bah image à Boisalaté. Meilleur V à Aristote Timanga, Aristote Timanga en tout cas avec la prise de vue. Et meilleur V aussi la prise de sang, papa Marc Patrick Wanaoumela
Et Oumela, parce qu'il y a une femme déjà, tous à la rana, en tout cas, Oumela, papa Marc, Patrick, meilleur vœu à toi. Ainsi qu'à notre maman chérie, meilleur vœu aussi à vous à la maison. Hein. Et à la régie finale, on avait papa Ridi Nguya, et puis Gaylor. Gerlin Kanga, oui, Gerlin Kanga aussi, merveille. À vous aussi, ainsi que à vos familles, à l'assistance, oui, oui, réalisateur, nanga topé, assistant, réalisateur, je peux dire, Bogos Mounongo, merveille à toi, et pourquoi pas que, à toute la famille Mounongo, réalisation, nanga topé, réalisateur, nanga, hein, réalisateur à Makassi. Papa John Titing, en tout cas, merveille à vous et merci beaucoup. Merveille à maman à la maison et ainsi que Nabana Nyo Soto et toute la famille Titing. Merveille à vous, en tout cas. Nalingi Bino Mingi, Nabi Ketoumou, Nananambulo et Kouya, Mamba Sika, Makamba Bien, Papa Didier Lingi Monte. Merveille aussi à tout et à toute la famille Monte Lingi. Je vous aime beaucoup, beaucoup, en tout cas. Merveille Nabi. Merveille ici la télé qui est belle, mais on se retrouve à la prochaine. Je crois que vous allez à la débit à l'année 2018. Merci, on se retrouve.